Écoutez le Saint du jour sur Radio Maria Libreville. Shalom, frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria. Que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, 28 février, la Sainte Église célèbre Saint Romain et Saint Lupicien. Écoutons la vie de Saint Romain et Saint Lupicien, deux frères de caractère opposé, mais d'une grande foi débordante pour le Seigneur. Saint Romain et Saint Lupicien naquirent d'une honnête famille vers la fin du IVe siècle dans le diocèse actuel de Belley. C'est donc deux saints français. La jeunesse de Romain demeura pure de toute corruption du siècle. Après s'être mis quelque temps sous la conduite d'un saint abbé, qui lui fit étudier sérieusement la vie cénobitique, il se retira, âgé de 35 ans, à Condat, dans les forêts du Jura, où il mena la vie des anciens anachorètes au milieu des bêtes féroces et oubliées du monde, qu'il avait oublié le premier. Mais ce n'était là, dans les desseins de Dieu, qu'une préparation. La vocation de Romain, c'était de fonder des monastères où l'on verrait fleurir toutes les merveilles de sainteté accomplies depuis plus de deux siècles dans les déserts d'Orient. Le premier de ses disciples fut son frère Lupicien. Dieu avait donné aux deux frères des caractères fort différents. Autant Romain était doux et indulgent, autant Lupicien était ferme et rigide, et on eût pu l'accuser d'excès s'il n'avait encore été plus dur pour lui que pour les autres. Chez les deux saints, ces divergences étaient toujours, chose étonnante, accompagnées d'une parfaite union. Si Lupicien avait paru dépasser la mesure, Romain était là pour tout concilier. S'il était besoin d'un coup d'énergie, Romain avait recours à Lupicien, dont le bras de fer brisait tout obstacle. Une année que les récoltes avaient été très abondantes, les religieux se relâchèrent de leur abstinence et ne se rendirent point aux douces observations de Romain. Le saint abbé confia l'affaire à son frère, qui ne fit servir à la communauté pendant un certain temps que de la bouillie d'orge sans apprêt. 12 moines quittèrent le monastère, les autres retrouvèrent leur ferveur. Romain pleura ses 12 religieux et se plaignit à son frère. Il versa tant de larmes et fit tant de prières que les 12 fugitifs revinrent et menèrent une vie austère et pleine d'édification. Un des plus anciens religieux lui reprocha un jour de recevoir trop facilement tous les sujets qui se présentaient au risque de n'avoir plus
de place pour accueillir les sujets d'élite. Mon frère, lui dit le saint, Dieu seul discerne le fond des cœurs, confions-nous en lui. Accueillons toutes ces brebis que nous envoie le divin pasteur et, par notre zèle, conduisons-les avec nous aux portes du paradis. À tous ceux qui portent les prénoms de Romain et Lupicien, nous vous souhaitons une très belle fête patronale. Soyez saints comme vos saints patrons. Que la bénédiction des dieux descende sur nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À tous et à chacun, fructueux temps de carême. À demain pour le Saint du jour. Écoutez le Saint du jour sur Radio Maria Libreville.